C'est peut-être un éclaireur de Stentor. Je vais... Qu'est-ce qui s'est passé ici? En quoi ça te regarde, Mystios? Tu sais quelque chose sur tout ça? Je suis un professionnel. Et un ami. Ah oui? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que si j'avais fait ça, j'aurais eu au moins le bon sens de cacher l'épreuve. C'est vrai. Il faut être idiot pour faire une chose pareille. Laisser des traces comme ça, un peu partout. Ou alors, il s'agit d'un message. C'est Stentor qui m'envoie. Pour aider ceux qui en ont besoin. C'est Stentor qui t'envoie? Sparte ne contrôle pas tout Mégaris. Pas encore. Il y a des lieux que je peux rejoindre plus facilement qu'un Spartiate. Les Athéniens se sont montrés plus résistants que prévu. Mais ils ne peuvent contre rien... Contre Sparte, oui. Je connais le refrain. Mais en attendant ce jour de gloire, il faut découvrir ce qui s'est passé ici. Tu en as une petite idée? Je devrais approcher pour savoir ce qui est arrivé ici. Des soldats de métier qui se sont fait massacrer. Ça m'étonnerait que ce soit l'œuvre de bandits. La cargaison a disparu. Mais ils ne peuvent pas être loin. Ils ont laissé les chariots. Apparemment, ils sont entrés dans la forêt. Je ne pense pas pouvoir trouver autre chose. Je devrais aller faire mon rapport. Alors, c'était des Athéniens? J'ai trouvé des fragments d'un cristal vert. Des bandits, alors. La guerre les rend insolents, et ces montagnes ne manquent pas de grottes. Si c'était des Athéniens, ils auraient utilisé les chariots pour le transport. Et... les bandits n'auraient eu aucune chance face à des soldats spartiates. Alors, à ton avis? Je me demande. Les coupables sont entrés dans la forêt. Autant commencer en cherchant là-bas. Les voilà. Opa. C'est une fête privée où tout le monde est invité. Comment? Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, va-t'en! Vous n'avez pas l'air de meurtrier. Quelle erreur ont commise les Spartiates? Quoi? Non, attends! S'il te plaît, tu ne comprends pas! Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ça me paraît très clair. Pitié! Laisse-moi plaider notre cause! Tu ferais mieux de rendre les vivres et de me dire pourquoi je ne dois pas vous tuer. Je t'en prie. Je vais te dire ce que tu veux savoir. Vous n'êtes qu'une minable bande de voleurs. Par les dieux, non! Nous vivons à Mégara. Cette guerre nous a déjà valu tant de malheurs. Je t'en prie, accorde-nous ta pitié. Comme vous avez eu pitié des soldats spartiates? J'ai... On a seulement pris des vivres. C'est Hyrcanos qui nous a donné la permission de les prendre. Il a dit qu'il nous faciliterait les choses. Hyrcanos? Oui, le mercenaire. Il a promis qu'il nous aiderait, qu'il nous fournirait des vivres, et que les Athéniens ne laisseraient pas le peuple mourir de faim. Expliquez-vous. S'attirer la colère des Spartiates n'est pas une bonne idée. Je t'en prie, nous ne sommes pas des voleurs. C'est le fruit de notre travail, ce sont nos récoltes.
Ils l'ont pris sans rien nous laisser. Nos enfants meurent de faim. Et le meurtre, c'est votre vengeance. Quel bel exemple pour vos enfants. Non, non, je t'assure, crois-moi. Nous n'avons fait de mal à personne. Amistios nous a dit où trouver les vivres. Ils étaient déjà tous morts. Assez! Je ne suis pas venu écouter des discours. Il est trop tard pour discuter. Je veux savoir qui est derrière ce crime contre Sparte. Un seul châtiment est digne d'un tel crime. Mais cette nourriture était à nous! Si ce n'est pas toi qui nous tue, ce sera la famine. Alors si je dois mourir, autant combattre. Ouais.